alors Nathan, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Un Père Noël. Bonjour les artistes, bienvenue sur dessinpourenfants.com. Alors Nathan, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Un Père Noël. Ho ho ho, le Père Noël qui vient amener les cadeaux de Noël. Le Père Noël est très sympa, hein. Bah oui, parce qu'il est très généreux, hein, à nous donner tous ses cadeaux. Est-ce que t'as été sage, toi, cette année? Oui. Oui? Oui. Ouais, c'est important, hein, si recevoir des cadeaux. Tu es un garçon sage? Oui. Oui, c'est très important, hein, d'être un enfant sage et de bien obéir à ses parents. Nathan, qu'est-ce qu'il nous faut pour dessiner un Père Noël? Une feuille, un stylo, des feutres de couleur ou des crayons de couleur. C'est parti? Oui, ho, ho, ho. Tous à vos crayons, ho, ho, ho. On aura notre Père Noël au milieu de la feuille, ici. Donc on va commencer par faire son visage ici et on va commencer par faire ses yeux. Donc on va dessiner deux grands ronds. Voilà, style kawaii, avec un grand rond à l'intérieur qu'on laissera blanc et un petit rond en bas à gauche qu'on laissera blanc et le reste on peut colorier en noir. Voilà, style kawaii, style très très simple de notre Père Noël. Ouais. Voilà. On peut lui faire son nez entre les deux yeux. Donc, hop, un petit rond. Et puis, on va lui faire le tour de son visage. Donc, on va venir comme ça. Donc, on vient ici. Et hop, un peu arrondi. Et on vient faire ici, à côté. Ok, super. Maintenant, on va venir autour des yeux. Donc, alors, avant de faire autour des yeux, on va relier ici d'un bout à l'autre en faisant un léger arrondi. Ensuite, on va lui faire aussi une sorte de rectangle autour des yeux, comme ça. Hop, voilà. Parce qu'en fait, il aura sa barbe en dessous. On peut lui faire, si on veut, des petits hop, sourcils. Hop, voilà. Ça lui donne un petit côté sympa. Super. Maintenant, on peut venir faire sa moustache. Donc, on fait un arrondi, une sorte de S. La même chose de l'autre côté. Et maintenant, on fait plein de petits arrondis, un peu comme des nuages. Ouais, super Nathan. Maintenant, on va lui faire son sourire parce que notre Père Noël, il est joyeux. On fait un arrondi. Moi, je vais lui faire un petit peu la bouche ouverte. Moi aussi. Hop, un arrondi comme ça. Et sa langue à l'intérieur en faisant un arrondi comme ça. Ça, il est joyeux. Ho, ho, ho. Ensuite, ses oreilles. Hop, on fait un arrondi là. Et un arrondi de l'autre côté de la même taille. Maintenant, on va commencer à faire son bonnet. Donc, on fait ici un arrondi un peu sur l'oreille, comme ça. Tac, la même chose. Et on relie ensemble par un trait aussi un petit peu arrondi. Bien joué, super Nathan. Maintenant, on va lui faire son bonnet. Donc, on peut venir faire un rond. Ici, ce sera son pompon. Et puis, on vient ici, hop. Comme ça, bien joué. Maintenant, on fait un rond comme ça. Et un petit comme ça. Voilà, comme ça, son pompon, il est légèrement sur le côté. Maintenant, on va faire son corps. Alors, on va commencer par venir vers par là. Hein. Fait un petit trait comme ça. Fait la même chose de l'autre côté. Ici, on vient là. Hop. Et on relie les deux par un léger arrondi. Maintenant, on va lui faire sa ceinture. Donc, par ici, on fait un assez grand carré. Comme ça. Et à l'intérieur, on fait un autre carré. Comme ça. Et maintenant, on vient faire sa ceinture sur le côté. Donc, hop, deux traits qui sont légèrement plus petits que la ceinture. Et encore deux traits ici sur le côté. Ouais, bien joué, Nathan. Super. Et on va faire ici le bas de son manteau. Donc, on fait
quand même un tout petit peu plus grand que le manteau. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et on relie ensemble. Et ça, ce sera de couleur blanche. Voilà. Maintenant, on va faire ses bras. Donc, on revient ici, vers le haut du corps. Et hop, on fait un trait comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, de la même taille. Un arrondi vers le bas. Et on fait... comment ça s'appelle, tu sais, tu as le manteau, puis après tu as la manche, voilà la manche en fait, qui sera aussi blanche. Donc on fait un arrondi comme ça. Et puis son gant qui viendra ici. On fait la même chose de l'autre côté avec un arrondi, sa manche assez épaisse qui sera blanche, et puis son gant. Super, Nathan, bien joué. Maintenant, on va lui faire ses bottes de manière finalement assez simple. Hein. Nous suffit de faire hop des formes comme ça et comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai fait un petit peu trop arrondi. On peut lui faire hop un peu plus plate dessous. Et puis, on pourra colorier en noir les bottes de notre Père Noël, qui est finalement assez simple en fait. Et pour finir, on va venir faire un trait ici au milieu. Tac, on passe sous la ceinture et hop, on passe par-dessus parce que ce sera son manteau. Et puis aussi, au niveau de son manteau, on va faire encore deux traits. Ça passe derrière la ceinture. La même chose de l'autre côté. Voilà, on va laisser blanc. Ce sera blanc et rouge. Et ben voilà! Il est bien attendu, ton Père Noël. Super! Maintenant qu'on a fini de les dessiner, il ne nous reste plus qu'à le... colorier! C'est parti! Super, Nathan, il est bien ton Père Noël. Alors on l'a fait rouge, hein, bien sûr, rouge et blanc avec sa ceinture noire. On lui a fait aussi des petites joues rouges, hein, parce qu'il fait froid. Hein, ouais. Là où il vit, c'est plein de neige. T'as eu du plaisir à faire le Père Noël avec maman? Oui. Oui, ah bah alors ça c'est le principal, c'est d'avoir du plaisir. Et puis aussi, pourquoi pas de passer du temps avec son enfant, hein, de profiter des fêtes. Puis aussi peut-être du confinement, hein, en cette période, de pouvoir... passer du temps de qualité. On s'est aidé du pas à pas de notre cahier de dessin sur Noël pour faire notre Père Noël que vous pouvez télécharger dans le lien qui se trouve ci-dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis, Nathan ? À tout bientôt ! À tout bientôt pour de prochaines vidéos ! À toute la famille, on dit joyeux !